Good morning, alle Yiden, les suisses aujourd'hui, les Nishmat, et Richard, Aaron, Ben Fortuné Mazal, Claude Israël, Ben Fortuné Mazal, Norbert, Avraham, Ben Fortuné Mazal, et Maurice de Rabbi Shmuel, Ben Shmuel Zalman, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Tanit, Perikvet Mishnatet. En Gozrin Tanit à la Tzibur, Batechila, Bachamishi, Shalom le Afkia, Hashéarim, et là, Shalosh Taniot Rishonot, Shini Vachamishi Vesheni, שלוש שניות, חמישי, שני וחמישי. רבי יוסי אומר, כשם שנה ראשונות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות. On va maintenant s'intéresser à concrètement quel jour de semaine choisir, ou quel jour du calendrier même, si on va inclure la prochaine Mishnah aussi, à quel jour instaurer un Tanit. C'est-à-dire, on avait déjà dit que selon le cas, quand il n'y a eu pas eu de pluie, il y avait au début les Yechidim, les individuels, les Tamidrahamim qui devaient jeûner. Après, c'était tout le monde qui devait jeûner, avec des jeûnes qui allaient de pire en pire, selon la rigueur, avec trois séries. Maintenant, premièrement, quel jour de semaine faut-il jeûner? On peut instaurer qu'on va jeûner le dimanche, le mardi et le mercredi, on a fini en une semaine? Non. En gozrin ta'anit ala tzibor batechila bachamishi, shelo lafkia hasharim. Je traduis d'abord, après on a eu enfin de l'ordre un peu. On ne décrétera, on instaurera un jeûne sur. On n'instaure pas un jeûne sur un public, Batechila Bahamiji, que le premier jeûne de la série des jeûnes va démarrer un jeudi. Pourquoi? Shelole Afkia Hasharim, afin de ne pas faire augmenter de trop les Sharim, les cours de la nourriture, le prix des aliments. Mais quoi? Et là. Mais cependant, il faudra plutôt faire quoi? Shalosh ta'aniyot harishonot, pour les trois premiers jeûnes, tu feras sheni v'chamishi v'sheni, le lundi, le jeudi et le lundi qui suit. Mais shalosh ta'aniyot, après quand il y a eu la deuxième série maintenant des jeûnes, tu pourras faire aussi, si tu veux cette fois-ci, tu pourras faire sheni v'chamishi, tu pourras commencer cette fois-ci à instaurer depuis le jeudi, après le lundi, et puis après faire le troisième jeûne qui va être le jeudi. Sur ça, il y a Rabbi Yossi. Omer, Rabbi Yossi va me dire, au même titre que la première série, tu ne l'instaures pas un jeudi en commençant, et bien, de même pour la deuxième série, même la troisième série des 7 jeunes, tu n'instaureras pas que tu commenceras par un jeudi. On veut que tu commences par un mardi, par un lundi. C'est-à-dire lundi, jeudi, lundi, lundi, jeudi, lundi, et après quand on a les 7 jeunes, ça fait lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi et lundi. Mais pas jeudi, lundi, jeudi, jeudi. D'accord, on s'est compris. Maintenant, de quoi on parle exactement? C'est quoi le principe? Le principe, il est très simple. Il est que si, à l'époque, il n'y avait pas Internet, vous imaginez bien, il n'y avait pas les informations, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que les bruits qui courent et l'affolement des gens. D'accord? Donc, selon ce principe, maintenant, comment est-ce qu'on sait s'il va y avoir la famine sur Terre ou pas? Eh bien, ça dépend de ce qu'on voit. Si on voit que les gens ils sont très excités, ils ont très peur de ça, c'est qu'ils ont une quelconque bonne raison de craindre qu'il y ait un problème qui se passe. D'accord? Maintenant, le jeudi, en général, les gens vont faire les courses pour le Shabbat. Si on va faire les courses pour le Shabbat, imaginez que le jeudi soir, tous les foyers doivent faire un super repas parce qu'ils n'ont pas mangé pendant la journée. Et en plus de ça, prévoir ensuite dans leurs courses qu'ils vont manger tous les repas du Shabbat. Du coup, quand ils vont partir acheter, tout le monde vient à la même heure, plus ou moins fin d'après-midi, en achetant un super repas à la fois pour le jeudi et pour le Shabbat aussi. Maintenant, les vendeurs, eux, ils ne savent pas ce qui se passe ou pas forcément, ils n'ont pas forcément compris. Ouais, on exprime de manière après pour le moment, ils réfléchissent pas trop loin. Donc ils voient tout le monde vient acheter avec affolement. Ils viennent acheter deux fois plus que d'habitude. Ils vont se dire c'est qu'il y a un bruit qui court, qu'en ce moment, que bientôt il va y avoir la guerre avec l'Ukraine et la Russie, qu'il n'y aura plus de blé dans le monde et donc il faut se remplir. Il faut acheter le maximum de farine tout de suite. Du coup, ils vont faire quoi les vendeurs? Ils vont dire bon, ben, la farine, on n'aura plus la vendre. À 5 shekels, on va la vendre à 8 shekels. Grâce à notre décret d'avoir jeûné le jeudi parce qu'il n'y avait pas de nourriture, parce qu'il y avait la famine qui approchait, il n'y avait plus de pluie, on a fait que maintenant les prix, ils ont doublé. Ah, c'était pas traham. On veut de ce fait que tu commences à jeûner la première fois le lundi. Comme ça, les vendeurs, ils vont commencer à réaliser que non, mais on fait un décret de jeûner, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de famine pour le moment qui est concrètement là. Donc du coup, tu commences le lundi, après quand le jeudi, tout le monde va venir acheter plus de nourriture, ils vont se souvenir que non, ils sont venus acheter parce que déjà depuis lundi, ils ont déjà acheté beaucoup de nourriture.
parce qu'il y avait des jeunes. Donc on a commencé maintenant à vivre dans une période de jeunes. C'est pour ça qu'ils ont acheté beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, ça y est, c'est la pénurie et qu'il faut vite se dépêcher d'acheter les derniers restes des étagères. D'accord? Ça, c'est le principe donc que la Mishnah m'a dit. C'est pour ça que quand on commence la série des jeunes, on le fait depuis le lundi, jeudi et lundi. Après, du coup, on arrive maintenant à la deuxième série des jeunes. La deuxième série, ça implique de. Une fois que tu as fait lundi, jeudi et lundi, tu as fait une deuxième série. Alors là, il y a une marque Rabbi Yossi Chachamim. Selon Chachamim, ils vont dire, bon, ben, puisque ça, dès que tu as commencé à rentrer dans le. Comment dire, la ligne des jeunes, alors ça y est, les vendeurs, ils vont plus dire qu'en ce moment, c'est la pénurie et va falloir augmenter les frais. Ils vont se dire qu'en ce moment, on fait des jeûnes, c'est le ramadan chez nous. Ou peu importe, on est en train de jeûner. Ils vont pas se mettre à augmenter de trop les prix parce que tu es parti acheter un grand repas le jeudi après-midi. Donc de ce fait, je reprends. La première série, tu fais lundi, jeudi, lundi. Mais après la deuxième série, c'est pas grave, tu continues le jeudi qui suit aussi. Tu pourras aussi le faire. Ça, c'est la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi aussi, il me dit non, tu fonctionnes toujours. Tu commences toujours le début des séries avec le lundi. Donc tu vas faire lundi, jeudi, lundi. Et après jeudi, tu fais une pause. Et après, on recommence lundi, jeudi, lundi. Et encore une fois, une nouvelle pause. Et puis après, on va entamer la troisième série des jeunes. Cette fois-ci, il y en aura 7. Et là, tu pourras faire lundi, jeudi. Tu recommences de nouveau avec le lundi. Lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi. Et puis lundi. Et c'est le septième jeûne. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout. Salam.